ben instant dama tok bam yag mané non mais attends man ministre lañ ma nommé wala PCA parce que y a beaucoup de nominations ñun man ak nit dof y a beaucoup de nominations yu génn mais suñu nomination yi tolé bi mu def ak buzz bi mané alhamdoulillah sante yalla ñi nga nekkal sénégalais yi nga nekkal ñu lay bayyi xel té am nañ considération ci yow et malgré toute tentative yi ñu def ci ginnaw en voulant m'enterrer avait oublié que j'étais une graine. Motar Tamit, je vais dire aujourd'hui ici une chose. Gis nga Ousmane Sonko demu jojju dina lak ñu bare 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 bima fi nek ci suma problème, je peux dire que ni il était le seul qui m'avait compris à part Tchat ak Gadiaga da don def ay échapper sax banalement fo nek ma ngi sama keur mu ñew il reste avec moi 2 heures de temps ñuy waxtan mu ne ma hé sigil nga genn nga dox nga xol ñepp ci beut tu n'es ni un délinquant ni un criminel ni un malfaiteur. Tu es quelqu'un bo xamanteni suma la xolé limay gis ci yow moy un vrai patriote ku meusa bëgg dëkkam ku dëkkam jaral le sénégalais intègre. Il va continuer de croire que tu es l'homme le plus intègre. Le sénégalais honnête, il va continuer de croire que tu es l'homme le plus honnête. Et le sénégalais incorruptible, il va aussi continuer de croire que tu es incorruptible. Ils ont manigancé, ils ont manipulé, mais cela ne va pas passer. Mounou Tiaou Dara, c'est un jeu et le peuple l'a compris. Sigil nga genn nga dox nga deugal sa bop. Il ne faut jamais accepter li ñu bëgg ñu réussir ko. Pourquoi nga fatte li? Parce que pa Ousmane. Su wax joté rek, il faut que ñu wax. Parce que c'était la période la plus dure de ma vie. La période la plus dure de ma vie. Je ne vais pas nek sax di dugg ci détail ak yoy. Mais je dis ici aux Sénégalais. Et li koy prouver pa Ousmane bu fekente ni cette histoire là explication wala montage bobu ñuko jox non la démé yalla buma fanane yalla na ma yalla jël wallahi alazimul karim. Et si c'était vrai j'ai vu quelqu'un de ou des gens de PASTEF même disent que oui on devait nettoyer son casier judiciaire avant ni def nomination bi. Vous dire que mon casier est vide et vous dire que ce dossier est classé sans suite, il n'y avait même pas de dossier, il n'y avait même pas de dossier parce que pour un premier temps à la DIC nous avons topé escroquerie. Escroquerie, ce jour j'ai pleuré devant l'adjudant. Maneko man escro là. Pour la première fois, me dégoumo bobu man ñune ma li lañ lay topé. J'ai pleuré, j'ai versé des larmes. Mais anyway, mon adjudant bi ci bopam ba légui on a gardé cette relation, mu ne ma kilifa. Nous-mêmes nous avons compris. Mais c'est des recommandations qui viennent à vous. Parce que le gars dañu def 48 heures d'audition amul lenn luñu mëna trouver amul lenn luñu mëna coller. Le chef dit ne ko outel au moins loko coller luko yobbu tribunal bobo confrontation lo man ak mom outel luko yobbu tribunal buñ démé ba tribunal fofu le juge d'instruction ou le procureur dina xol num ko régler ba gatch ko ay yenen mbir yu ko yobbu mandat de dépôt. Escroquerie lañ ma yobone nañ tribunal bima ñëwé
Nous avons fait deux retours de parquet, nous avons fait d'autres accusations, enlevé l'escroc caribéen, que tout le monde escroc. Mais les nous avons fait une tentative de corruption. Faut tentative de corruption, un petit code pénal. Tentative de corruption et tentative de bougonner le bounit moutouki. Moui, c'est c'était trois chefs d'accusation. Tentative de l'âne, association de malfaiteurs. C'est trois chefs d'accusation. Quand mes sept avocats étaient avec le juge Taïda Maïwar, le juge Toum, c'est très normal pour le procureur instruire le dossier. Pourquoi? Mais sept avocats démontent le peut-être que tu souffres. Il y avait Maître Bamba Sissé, que je remercie de passage. Moussa Sarr. Il y avait Maître Moussa Sarr, mon avocat principal. Il y avait mon père qui est un papa et un avocat, Maître Cyril Claire d'Orly. Il y avait Maître Danfara. Il y avait Maître Tal. Il y avait Moussa. Il y avait il habite à Thiès. Ils étaient sept avocats mobilisés où non avocats y ont dû mobiliser où tu couille tchakhan ou alors quoi comment tenir après d'ailleurs t'as où mettre Moussa Sarr de faire toque les monnaies pour moi l'air on est qu'il faut l'une quoi dire me dire mon ref je n'allais jamais porter le combat malgré que c'est mon frère que vous allez voir juste tout n'est que n'est que digne. Pendant trois mois, je me fait enquête. Le procureur de Makoy est libéré. Parce que nous n'avons rien trouvé. L'inkoy wakal dara amouti. Donc, je suis libéré. Gaye neko, douti dal. Juste un man dossier. Je suis libéré. Tu sais, après juste un. Nous avons fait le juge de siège. De juge d'instruction à juge de siège. Nous avons fait le juge tout. Parce que il n'a pas accepté de jouer le jeu. Donc, c'est mon histoire. Si je me suis il fallait que nous ayons une liberté provisoire. Pour au moins Rafet Aliye Fi accompagner. Parce que si nous faisons une bonne, il faut que ça soit une utilité top avec Aïe Fak Aïmbir. Tchadnaka Nonou, Menyou, trois mois signé, Menyou, carrément, tu n'as plus besoin de venir. Ce fait qu'il y a fait un procès, c'est avocat qui a dit que c'est un procès. Un procès 2021, ben 2024. Ce fait qu'on dossier amna wala dara amna kana donna am procès yow mi juriste bi pas Moussa Sow à chaque fois ngeen gis bima guenné lolu suma jogaté ba commencé nek di yeng ak télé nga gis ñu sanni sen journaliste yeen xet journaliste yi am nelen bind len ni ga kilifa dina am audience damay tok ci plateau à ma grande surprise ñu ma ay yow amulo won tay audience ma len de ma ngi ni de. Parce qu'il voulait dire bougon ko def épée de Damoclès sama bop bi malelen man ragaluma lolou man pitchu marche la ciow daquma man sunel la kuma kat wallahi alazim alkarim deg jam la te mbonat la dama juddou walé sama keul ken duma rek ni dama xex ak ñom xex bu metti metti ki souf ak ci kaw pa Moussa duma bayima fen te muju nga xam ñana ba muju gi ce qu'ils ont fait moy dañu jël sama terrain nanguko bay fosse pa Moussa est là des fois ni taxaw ne combat bi lima ci def duguna fi genn fi bes buma waxé lima wax ni geet la nga tank ci ascope ci li nga xamanteni tek nañ mako juste parce que ce digënté ga Ousmane Sonko mo ñu neexul wallahi alazimul karim lool la won. Ils sont même allés à me dire que ni tégal
ben affaire 500 millions on est prêt à nous financer le waxu ñu la sax nga tefessu mais que tu t'écartes de Ousmane Sonko man gor la te Ousmane Sonko gor gu set wetch la et c'est quelqu'un de très reconnaissant et très humain très humain et très reconnaissant indi lula neex ci aduna je ne trahirai jamais ndem ben nit la sañu ta trahir à plus forte raison tout un peuple à l'âge de 16 ans je peux pas commencer à l'âge de 16 ans de cracher sur une mallette d'argent madame ba am 2021 j'avais 41 ans madame ba am 41 ans di daw ci ay yefu ñak fayda ay 2 millions ki 3 millions ki 4 millions ki 10 millions et tous les sénégalais sont au courant que depuis que Kër Gui, Kilifa et Tchad ont commencé de faire face au régime de Diouf, régime d'Abdoulaye Wade, régime de Macky Sall, amul luñu amul ci proposition de jox ñu xaaliss bu dul jeex avantage privilège et nous l'avons toujours décliné parce que nak dama ko yag di wax suma demone ba nawlowuma sénégalais yi sax amna ñi nga xamanteni dama len nawlo naturellement et ce sont mes enfants suma baye dafa dundu ba dé baye luma fi way pourquoi mes enfants man ma war len fi baye way dama musa moytu ragal mais malheureusement yu feñ ak yu feñul j'ai toujours été victime de trahison djogé na ci problème bobu mané je vais changer parce que je suis trop naïf ku ñew ma gëm la té ba ni pas Moussa pas Ousmane ba ci tay ki suba nax nañ ma tay ci suba ba ci tay ki suba parce que may nit bi nga xamanteni je ne duma Moussa wax doomu adama non may nit bi nga xamanteni dama japp ni lima sañul def nit sañu mako def c'est comme ça dama japp ni je n'ose pas poignarder Aliou Sow donc Aliou Sow aussi il n'ose pas me poignarder ndekete man ni ma mel mako mel parce que j'ai été éduqué par ma mère mu def ci man une éducation bo xamanteni je ne le regrette pas aujourd'hui jangal ma wet goré wetali ku goré jangal ma marnan bum la taxanan petite jangal ma boy and ak say morom lepp luñu am baye len ko te yow lo am bokal ak ñom mu jangal ma kep koy andal ci aduna nga fexé ba sa ndjeriñ upp ci mom ke ndjeriñam upp ci yow mané ko yaay bu boba dinañ ma uppalé di mu ne ma xana xamuloni ala la bila ram du duggu aljana mu ko am yalla jox la tok di xolé pa Ousmane Barab buma taxaw wala sama nafila yi may nafila di talal yalla suma loxo dama ko nan yalla nga ma bok ci ni ñuy yaakar ñu wara fac soxla te yalla nga ma dimbali ba kep ku ñew dis ma soxla yalla nako fi fek te bu ko fi fekke yalla nga ma may xoluma jox ko mu yobbu ko a bax donc ma liggeyal suma yaay à l'âge de 14 ans makoy tarbiya diko ligueyal suma baye genn aduna suma mag bu gor bi warona jël la relève genn aduna naturellement responsabilité dougu responsabilité taxaw j'avais 4 grandes sœurs 3 petits frères et un autre grand frère qui était vraiment désintéressé carrément nek Touba di top di and Khadim Gueye ñuy jang qasida à l'âge de 14 ans là commencé à entreprendre di dem salin suma xeye dem école midi ma wacc ma continuer dem salin fiñuy defare xorom sa suma jele 14h ba 22h ma wacc ñu fay ma 3000 francs ma daw dem sonacos lindian suma demé sonacos lindian fanan fa ba 6h du matin ñu fay ma 3500 ma daw ñibi ci sama kër jox mère bi lu mu gérer dépenses lu ñu lidenté kër gi rënk ben 1000 francs
dawat delu nelaw touti dawat delu école bi may ñëk dajj suma condamné mu am 67000 ma jënd ci ben xar bu jigen bu ëmb à 37000 fofu la sama amour ak sama passion élevage juggé xar bobu moy lepp ma jël 30000 jox ko soxna ci pa Ousmane damay daw am ben 1000 francs sax dem marché bu ndaw fiñ dëkk marché bu ndaw ak ci ginnaw ma jënd dakar jënd kétiax jënd pañ defar njambar diko jaay kuddu ñaa deureum wala ma jënd ay ñambi sucre dagat ko diko jaay ben 10 francs wala ma defar mboudaaké wala jënd potou nestlé defar tangal tofi musuma yafous musuma yaakar ni dekk dina ma defal dama musa gem ni may defal dekk mais pas dekk defal ma di tarbiye jigen joju di daw ci buguma ko gis botam xonk buguma gis samay rak genn nek ay yalwan kat wala samay mag yu jigen genn nek ñuy jaay sen bop ma dama j'ai tout porté ma famille ba 96 bi ñuy créer suñu groupe de rap ñepp xam nañ trajectoire Kilifa ak Tiat en 97 on venait d'avoir 17 ans ci la def la prison de par ma position ma def 3 semaines ñu libéré ma def ma sous liberté conditionnelle chaque mois may dem di signé ji ma def 35 garde à vue 35 garde à vue xamna central yi ci Sénégal yépp teud nañ fa def ñaari mandat de dépôt nul ñuy dawal mbokk yi ñu am Dakar sax bi ñuy joggé Kaolack di ñëw fi Dakar dañ leen neub ni ñu gi Dakar di fanan ci mbedd yi tout en sachant que buñ demone dinañ ñu héberger waye est-ce que duñu xatal est-ce que duñu gêné ba jëm ji ñuy wax fou malade malal taala genné le titre fou malade def succès di ñu jël jëlal ñu nek fay ko 6 mois d'avance jëndal ñu ravitaille 6 mois nous avons un vrai parcours de combattant amul kenn ku meuna taxaw fi ci rew mi je défie quiconque bu wesso grand Jimmy Mbaye bi nga xamanteni bi ñuy enregistrer suñu premier album on devait payer 1,200,000 ñu le ko 400,000 lañ ñor mënañu indi len graw japp ci diñu accompagner diñu jox lek pansement dañ doon tok duñu am luñu lek ñu dem ci ngenté yi fi Dakar wër suñu démé ci ngenté lek xaraan ba affaire yi bañ yak ñu lek ñu dem ci maire yi doon togu neneen may leen ñu ciép ñu raxasal leen seen ciin yi ak seen bool yi lool lañ ñu daan fayé ñu jënd glace tek ko def ko ci pad pour conserver ko mën ci dundu ñetti fan té bobu pourtant amon nañ esprit yi gaay yépp am nuñuy tapalé di am ay khalis mais on n'a jamais voulu ça musuñu bëgg lool dignité ak ngor wallahi ci ñun la fekk baax gis nga kuy lek ku digne ku goré ku djub wallahi bu séné Kilifa ak Tiat mën na ngang ku mu neex nak tay ji ni bi all bi dé tak ah ki n'est pas malhonnête di nga taxaw nga né ñaari goor yalla ya ñoo jëgé ba Saloum diko répétal je dis pas que conscientiser ñep mais déclencher li ñuy woyé la conscientisation de la masse jouer qui n'a un rôle bo xamanteni c'est de l'encre indélébile